Salut tout le monde, c'est pour tout le monde là. Sur cette fois-ci, on est pour l'épisode 2 de LSPVFR. Et cette fois-ci, on intègre la gendarmerie nationale. Voilà, à Chantichor. Bon, normalement, en vraie vie, Chantichor n'existe pas. Mais voilà, avec mon collègue, bon, on va l'appeler comment lui? Ouais, on va l'appeler Clément. Voilà, avec mon collègue Clément. Bon. On va se mettre prêt pour les synthères. Et voilà. J'espère que l'épisode avant vous aura plu. Voilà. En fait, je vous explique ce que j'ai fait. J'ai record l'épisode que vous avez vu, le premier épisode. Donc voilà. Et après, clairement, quand j'ai record le premier épisode, le jeu avait crash au dernier moment. Je pense que ça, vous l'avez peut-être pas oublié. Voilà. Du coup, par après, j'ai redémarré le jeu. J'ai redescendu l'égalité un petit peu parce que, voilà, j'ai vu que avec l'égalité, ça n'allait pas trop. Et du coup, j'ai descendu l'égalité, comme je te disais. Et j'ai directement fait le prochain épisode directement après. Comme ça, je perds pas de temps. Voilà. Donc là, on a appelé une personne avec une arme à feu. Oh putain. Par contre, désolé, mais désolé, je vais mettre le tir. Hein. Il a tiré. J'ai dû faire feu. Je vais quand même essayer de te faire. Ouais. J'essaie de faire le premier secours. On verra ce que ça va dire. Allez, monsieur. Attends, je pense pas qu'il a survécu. Hein. Je vais tirer une balle dans le crâne. Attendez, on va appeler. Pour moi, il est mort. Hein. Bon, on va voir ça. On va voir que ce que dit c'est sapeur-pompier. Avec le BSAV. Qui est magnifique d'ailleurs. Bon, allez. Bonjour. Voilà, il est là. I feel you. Merci pour les soins. There it is. Alors, j'espère qu'on va faire quelque chose quand même. No way. Ah, eux, ils sont aussi à le soigner. Ah, mais tant mieux. Tant mieux. Oh là là. Et voilà, il va aller à l'hôpital et mes collègues vont aller à l'hôpital par après, quand il va ressortir pour l'embarquer et le foutre en tôle. Bon. Clément, accompagne ce monsieur, où tu viens? Vas-y Clément. Tu es bête quand même. Un véhicule, enfin le propriétaire vient récupérer son véhicule, il a très pris peur avec un coup de feu. Du coup voilà. Bon, par contre, nous sommes bien galardés, hein. Est-ce que ouais, nice. On va prendre un autre véhicule parce que celui-là, voilà, il a subi des balles, c'est pas idéal. Eh mon Clément. Dites-moi en commentaire pour le prochain prénom que je vais appeler. Je pense j'ai deux trois idées de prénoms en tête, mais dites-moi en commentaire comment voulez-vous que j'appelle le prochain collègue que j'aurai. Et bien sûr, la prochaine vidéo, je ne sais pas encore quel service je vais faire. Mais j'ai une petite idée. Je pense avoir une petite idée sur le prochain service que je vais faire.
Mais ça, je ne suis pas sûr à 100%. Voilà. Du coup, on va aller voir l'autoroute. Hop, la Desert Duster, quand même, elle est belle. Hein. Bon, y a rien à dire. Elle est pas dégueulasse. Franchement, elle est propre. C'est dangereux ici. Hein. Bon, je passe, hein. Ok. Sinon, je passerai jamais. Par contre, non. Un tracteur sur l'autoroute, je veux pas ça. C'est interdit. Ah, viens ici. Bonjour monsieur, je peux avoir votre document s'il vous plaît. Ah, monsieur refuse de me donner son assurance. Ok, pas grave, hein, monsieur. Écoutez, le sac central, hein. Target vehicle license plate 25 William Henry Charles 096. A traffic violation. Approach with caution. Monsieur veut pas me donner son assurance parce qu'il n'a pas les entrées du véhicule. C'est là votre véhicule, monsieur. Il doit être remorqué. Ça, vous le savez. Et vous voulez sans assurance avec un véhicule. Voilà, je sais pas comment on appelle ça comme véhicule en vrai. Si vous avez décidé de marquer vos ciments en commentaire. Bref. Bon, monsieur, je ne sais pas trop jouer avec un tracteur sur l'autoroute. C'est comme ça que vous créez des suraccidents. Du coup, monsieur, vous voyez sans assurance et tout. On va vous emmener au poste. Je vous passe pas les bracelets, monsieur, voilà. Ça ne sert à rien. Pas vous passer bracelet pour ça. On vous amène au poste et mes collègues verront ce qu'ils vont faire avec vous, monsieur. Mais. Monsieur. N'oubliez pas ou pas passer bracelet. Je crois que j'ai pas envie que vous mettez bracelet, monsieur. Allez. C'est fâché parce que voilà, c'est plus votre tracteur, mais bon. Hey collègue. Allez Clément, dépêche-toi. Allez hop là, on va aller conduire cet individu au commissariat de son petit short. Comme ça, c'est fait. Hop. Regardez-moi, même l'intérieur. Hein. Même l'intérieur a été texturisé. Oh là 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 là. Comment? Attention, 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 ça la gendarmerie. Hop.
Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de mon micro. Pour voir s'il est trop fort, s'il est trop bas, si je dois changer un truc. Faites-moi savoir. Je vous écoute. Ok. Pourquoi il veut pas que... Ah, je vais pas passer les pinces. Eh, hey, monsieur, sortez. Par mesure de sécurité, monsieur, là, voilà. Hop, je vais... Oh là là, tu t'en fous, commissariat. T'as un truc à te reprocher. Allez. Hands in the air, now! Stay right there! Allez, mettez-moi en l'air. Don't you move! Oula. Stay right there! On the floor, punk! Stay right there! Ça va, un problème, monsieur? Hands in the air, now! Oulala, oulala, oulala. Monsieur a une épilepsie, hein. C'est quoi les gars? Fermez les yeux. Monsieur avait un flingue. Bon, on va appeler le coroner, hein. Oh là là. Faut fermer. On l'a quand même au commissariat. Vous voulez essayer de fuir avant? Bah non. On l'a mis au commissariat, là on veut le fouiller. Et monsieur avait un gun. Tout à l'heure, je vais voir si le gun est immatriculé. Ok. Bref. Mon collègue, t'as pas regardé. Voilà. Allez, Clément. Allez, dépêche-toi. La mort, elle est là de toute façon. C'est quel véhicule par contre? Ah, ok, c'est celui-là. C'est une camionnette. Je sais pas l'autre. Ok, ah c'est pas grave. Allez, repris sa patrouille. On peut pas une petite course poursuite. Je vais demander au central, il y a quoi pour nous. Ça c'est pas pour nous. Ça on va prendre, même si c'est pour les pompiers, normalement, ce calotte là. On va quand même le prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a un incendie, la gendarmerie, qui que ce soit, que ce soit le force de l'ordre, doit aller sur place pour sécuriser les lieux. Merde, je suis pété, j'ai refait. Ok. J'ai défoncé les gyrophares. Ah. Oh là 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 là. Est-ce que c'est loin? Ouais, c'est à 3 km quand même. Hein.
Hop, attention, il y a un otaf. Attention. Hop. Heureusement, on a tout terrain. Hein. Elle glisse très très fort. Attention. Qu'est-ce qu'il y a le feu là? Véhicule, il est très sale. Là, regardez le feu là-bas. On va la fumer, les gars. On voit la petite fumée. Enfin, la petite. C'est quand même une grosse fumée, quoi. Ah ouais, le feu, ah ouais. Hop, on va appeler les sapeurs-pompiers. Ils sont très rapides d'ailleurs. Il y a le feu là-bas les gars. On se crée, c'est dur. Les gars, arrêtez-vous. Allez, avec vos extincteurs. Non, on va sécuriser la lieu. Un feu de forêt quand même. Ah hein. J'espère que les sapeurs-pompiers vont savoir l'éteindre. Ils sont contents, hein, ils sont contents. Hein. Regardez-moi toute sa fumée là. Par contre, je pense qu'il y a un sapeur-pompier qui va mourir dans le feu là. Nous n'avons pas d'extincteur, hein. On peut pas laisser les. Hein. À part s'éclairer. Je pense que le feu laisse éclairer assez, donc voilà. Bon, le temps qu'il faut leur métier. Donc on va faire le nôtre. Hop. Ah. What? Regardez, mais je vais refaire, là il fonctionne. Et là, je crois que ça ne pue. Ils sont cassés. Regardez-moi le FPT là. Il est trop beau. Bon. Collègue Clément là, il faut sécuriser la zone. Il faut que personne vienne. Le temps que les sapeurs-pompiers ont fini leur métier. Par contre, il y a encore un grand feu là-bas. Attendez. Avant, j'avais l'extincteur dans mon coffre. Et depuis, j'ai plus d'extincteur dans mon coffre. À part les cônes. Mais bon. Voilà. Je vais en parler des cônes, il n'y a personne qui passe. Et puis, il y a les gyrophares. Nous, ce qu'on va faire, les gars. Hop.
on va dire que j'ai pris ça dans le coffre. Ouais les gars, je vais vous sceller. Je vais les sapeurs-pompiers. Ouais, ils font plus rien. Par contre, il y a un petit problème avec... Hop. Ce qu'il est. Non. Je pense que c'est là. Voilà. Ça. Sinon, on en aura plus. Hop. C'est pas à moi à faire ça normalement les pompiers. Oh. Mais bon, on va quand même les sceller. Maintenant, c'est un petit aperçu du prochain épisode qui pourra peut-être avoir. Peut-être pour l'épisode 3, l'épisode 4, pour l'épisode 5. On ne sait pas. Voilà. On ne sait pas. On verra bien à ce moment-là. Par contre, on va t'éteindre, toi. Oula. Oula, 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 aïe, c'est chaud. Ah, faut que je me crains pour que vous éteigniez le feu. C'était comique. Ok, faut se cramer pour qu'il éteigne. Et voilà. Allez. Hey, what the? Allez, mon collègue, genre. Comment? Clément. Ça s'appelle Clément, mon collègue. Hein. Allez. Ouais, non, on n'a pas les pompiers. Ok. D'ailleurs. Hop. On va déjà s'en arrêter là, les gars. Mais là, si ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si cela n'est déjà pas fait. Bon, je sais que mes épisodes ne durent pas très longtemps. Pour l'instant, vu que c'est les premiers, ils ne durent pas très longtemps, c'est tout à fait normal. Là, vous inquiétez pas. Les prochains épisodes vont peut-être durer un peu plus longtemps. Voilà. Peut-être pendant l'épisode jusqu'à l'épisode 5, voire 6, ou peut-être même jusqu'à l'épisode 10, les vidéos vont pas durer extrêmement longtemps. Mais ne vous inquiétez pas que d'ici quelques jours, voire quelques mois, voire quelques années, voire quelques siècles, enfin bref, voilà, on avait compris, le temps des vidéos va augmenter. Par contre, la FPT là. Hop, voilà, sapeurs-pompiers, ils savent pas conduire, et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et moi perso, ça m'a plu, la petite forêt qu'il y a à la fin là, voilà, en compagnie de Clément. N'oubliez pas, le prochain prénom, de le prochain collègue qu'il va avoir, je vous laisse choisir. J'ai 3-4 et des prénoms en tête, mais si je vois que personne met des commentaires, comme d'habitude, je vais choisir moi-même un prénom. Voilà. Allez, les gars. À très bientôt pour une prochaine vidéo de LSPDFR. On verra bien si ça sera du police national, la gendarmerie nationale, brigade motorisée, la BAC, et ainsi de suite. On verra bien. Ça fait maintenant du SAMU.
Parce que voilà, ça peut être du sapeur-pompier. Voilà, c'est les call-out. Donc ça sera peut-être aussi du sapeur-pompier. Préparez-vous à avoir du sapeur-pompier. Voilà, enfin, sur ce, je vous laisse parce que le terme pompier, elle a fait n'importe quoi. Voilà. Enfin bref. Allez, ciao les gars.